Bonjour, Néo. Qui êtes-vous ? Celui qu'on nomme l'architecte. J'ai créé la matrice. J'étais impatient de te voir. Tu as de nombreuses questions, et bien que le passage ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain. Certaines de mes réponses te sont par conséquent accessibles, mais pas toutes. Par corollaire, bien que ta première question puisse paraître la plus pertinente, il se pourrait bien que tu ignores qu'elle est aussi la plus hors de propos. Pourquoi suis-je ici ? Ta vie est le reste d'une équation déséquilibrée inhérente à la programmation de la matrice. Tu es l'éventualité d'une anomalie qu'en dépit de mes efforts les plus sincères, j'ai été incapable d'éliminer de ce qui est par ailleurs une harmonie de précision mathématique. Quoiqu'elle demeure un fardeau dont tu veux t'affranchir, elle n'a rien de surprenant et peut donc obéir à des mesures de contrôle qui vous ont conduit inexorablement ici. Vous n'avez pas répondu à ma question. Effectivement. Intéressant. Tu as été plus rapide que les autres. Combien sommes-nous ? Je me tire. La matrice est plus vieille que tu ne le penses. Je préfère compter par palier de l'émergence d'une anomalie à l'émergence suivante. Et avec toi, nous en sommes à la sixième version. Il n'y a que deux explications possibles. Ou personne ne me l'a dit. Ou personne ne le sait. Précisément. Comme tu l'as sans doute déjà déduit, l'anomalie est systémique, créant des fluctuations dans les plus basiques des équations. Putain, je fais ce que je veux ! Vous êtes mort ! Vous êtes mort ! Vous êtes en miettes ! Je dis ce que je veux ! Je ne vais pas faire de moi ce que vous voulez ! Le choix. Le problème, c'est le choix. La première matrice que j'ai créée était parfaite, une vraie œuvre d'art, irréprochable, sublime. Un triomphe qui n'eut d'égal que son monumental échec. Sa chute inexorable m'apparaît à présent comme une conséquence de l'imperfection inhérente à tout être humain. Je l'ai donc manié, selon votre évolution, pour refléter plus fidèlement les diverses bizarreries de votre nature. J'ai cependant été frustré par un nouvel échec. J'ai compris par la suite que le succès m'échappait parce qu'il fallait un esprit inférieur au mien, ou peut-être bien un esprit qui serait moins soumis à ses paramètres de perfection. C'est ainsi que la réponse fut trouvée par accident, par l'intuition d'un autre programme, initialement créé pour explorer certains aspects de la psyché humaine. Si moi, je suis le père de la matrice, elle en est indubitablement la mère. L'oracle. Voyons. Comme je le disais, elle est tombée sur une solution auprès de 99% des sujets d'expérience acceptaient le programme tant qu'on leur permettait de choisir, même s'ils n'avaient l'intuition de ce choix que dans leur subconscient profond. Même si cela fonctionnait, c'était forcément fondamentalement déficient, contribuant à créer l'exception confirmant la règle, l'anomalie systémique qu'il fallait empêcher de menacer le système lui-même. Par conséquent, tous ceux qui refusent le programme, même minoritaires, sont pris en compte parce qu'ils représentent une inquiétante probabilité de désastre. Il s'agit de l'avenir de Sion. Tu es venu jusqu'ici parce que Sion est sur le point d'être détruite. Les êtres vivants qui l'habitent exterminés, et jusqu'à son existence éradiquée. Connerie. Le déni est la plus prévisible des réponses humaines. Mais sois sûr d'une chose. Ce n'est pas un problème, c'est la sixième fois que nous devons la détruire. Et nous avons appris à le faire avec une étonnante efficacité.